Take my hand tonight. We can find some place to go. Ah, on n'est pas bien ici. Mais bien sûr qu'on est bien là. Bonjour tout le monde, c'est KiriTopKnight 064. J'espère que vous allez bien. On est là donc pour la suite de votre Let's Play sur Final Fantasy XIV, toujours avec notre héroïne, la ravissante Ishkiti. On est parti. Je ne pense pas avancer la quête principale cette fois-ci. Bon, j'ai vu qu'il y avait deux quêtes annexes à prendre à l'intérieur du... À l'intérieur du bar, donc on va, je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus à la cool. Ophilo voudrait que vous abattiez des monstres qui déciment les poissons de la rivière. La violence, ça te connaît, pas vrai? Inutile de nier, ça se voit dans tes yeux. J'ai un boulot pour quelqu'un de solide comme toi. Ouais. Suis la rivière à l'est d'ici et étripe-moi 3 orobons, petite gueule. D'accord? Ils nous ont bouffé tous les petits poissons que Buscaron nous sert pour dîner. Et ça, c'est inacceptable, hein? Reviens me voir avec des boyaux d'oboron sur les pognes et je ferai en sorte qu'on te traite en vrai habitué chez Buscaron. Allez, on va commencer par ça. Et, Jana, et Lana, elle a quoi, elle? Yana, pardon. C'est un I. C'est pas un L. Au choix de Buscaron, Yana veut que vous tuiez un animal dangereux pour elle. C'est vous l'aventurière qui aidait le vieux Buscaron? Peut-être bien que je pourrais vous demander un service, moi aussi. J'ai récemment partagé une bouteille avec une marchande d'Ulda qui m'a régalé des histoires de ses aventures. Son pire souvenir était celui d'une bête féroce qui a failli la déchiqueter alors qu'elle pensait être à l'abri dans la forêt protectrice. Quel genre de bête? Vous n'allez pas me croire, mais c'était une antilope. Oui, je n'en ai pas cru mes oreilles moi non plus, mais il semble bien qu'une harde particulièrement agressive sévisse vraiment sur les terres au sud du choix. Promettez-moi, prenez cette soupe et tuez une de ces antilopes. Aussi énervée qu'elle soit, elle devrait les calmer un peu. Et un dernier conseil, ne laissez pas leur regard vous endormir, ou bien la prochaine bière que vous boirez passera à travers tous les trous qu'elle aura fait sur votre corps. Oh, ça me prendra à appuyer sur les boutons trop vite.
Voilà. Ah, les orobons, petite gueule, c'est fait. Qu'est-ce que tu me veux, toi? On va à la chasse à l'antilope. On arrive dans la zone. Ah bah la voilà. Attendez une seconde, elle est gigantesque. Franchement, au début, j'y croyais pas. Je pensais pas qu'on allait la voir. Heureusement que j'avais quelques potions. C'est pas Doggy qui nous a aidés, bien sûr, comme d'habitude. Allez, bah déjà, on va ramener tout ça. On va rapporter nos exploits à ceux qui nous ont demandé de les faire. Commencer par Yana. Pour tous les aventuriers, les marchands et les ouvriers qui viennent y partager une bonne bière et une bonne compagnie, le choix est comme un second foyer, voire même leur unique foyer, pour les plus malchanceux. Nous serions stupides de ne pas profiter de la protection des vigiles sombres et des flèches divines, mais c'est particulièrement satisfaisant de pouvoir défendre soi-même son foyer. Vous nous avez tous rendus fiers, l'ami. Ah, et ça c'est fait. Et visiblement, elle a une autre quête.
Ah, bien, t'as réglé leur compte aux Aurobons. Je parie, je vais bientôt me régaler d'une bonne truite. Oups, peut-être d'un joli filet de brochet. C'est le vieux Muscaron, il a toujours été réglo avec moi, peu importe ce que je faisais dans le temps. Alors, j'aime pas trop quand quelqu'un l'embête, même si c'est que des poissons. T'as l'air de quelqu'un de confiance, et je vois bien que t'as le talent d'une aventurière. Et si tu bossais pour le patron, hein? Saumon, meunière, truite. On va prendre le saumon. Ouais. Et lui aussi a une autre quête. Eh ben, on va rempiler alors. N'est-ce pas? Ophilo cherche un aventurier pour l'aider à contrecarrer les plans des Kikirnes. Alors, t'as suivi mon conseil et utilisé tes talents pour le choix, pas vrai? Voilà ce que j'aime voir de la part des jeunes comme toi. Eh bien, reste dans le coin, parce que j'ai un autre boulot pour toi. Je me régalais d'une pinte de la meilleure bière de Muscaron l'autre jour, quand j'ai entendu que les Kikirnes planquaient des poissons dans le coin. Du poison dans le coin. Je peux pas être sûr de ce qu'ils veulent faire avec, mais ça sent pas bon du tout. Et si tu prenais ces explosifs là, pour aller les faire péter où il faut, hein? C'est dangereux les explosifs. Et Yana, qu'est-ce qu'elle veut? Yana cherche un aventurier pour rassembler les offrandes nécessaires au rituel d'une coutume locale. T'es caché derrière ta bouteille, par contre. Cette taverne est protégée par la Sive des Douze, ce qui procure une impression de paix et de tranquillité à tous ceux qui y pénètrent. C'est pour cette raison, tout autant que pour la bière que de Buscaron et ses récits d'aventure, que des voyageurs de toute Eorzea viennent trouver un peu de. Ouh. Une petite seconde. Répit à ses tables. Toutefois, la protection de la forêt ne s'obtient pas sans rien faire. Non, il nous faut honorer les arbres, leur montrer du respect. Ce n'est pas comme ça qu'ils sauront que nous sommes dignes de leur attention. Ce n'est que comme ça qu'ils sauront que nous sommes dignes de leur attention. Je voudrais donc vous demander d'accomplir une tâche simple. Faire une offrande à l'un de ces gardiens de la forêt. Non loin d'ici se trouvent les restes flétris d'un truand qui a péri en protégeant la forêt qu'il aimait tant. Procurez-vous 4 tas d'entrailles d'antilope biche et 2 pétales de piège-boue, puis placez-le devant le truand. Placez le tout devant le truand. Bien, madame. Une fois l'offrande faite, agenouillez-vous et indiquez la tête en signe, inclinez la tête en signe de respect. Je peux vous promettre que quand vous vous relèverez, vous comprendrez mieux le sens de mes paroles. Oui, une petite seconde, parce qu'en attendant, il y a un aléa à l'extérieur et ça a l'air d'inquiéter personne. Spencer, le bois sans soif. Il y a un joueur qui est déjà en train de lui péter la figure, c'est très bien. On va s'y mettre aussi. Et pourquoi je suis en train de... Quel gland!
Bon, allez. Les entrailles de biche, c'est fait. Rolandais. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Rolandais a besoin d'aide pour ses investigations à Isomar. Ça sent les quêtes à foison, ça. Non, 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 non. Une prochaine fois, ou alors hors vidéo, je sais pas. On accepte quelques quêtes annexes, mais si je commence à tout faire, la vidéo va durer 4 heures. Hein, parce que des quêtes annexes, il suffit de regarder la carte et il y en a partout. Ah oui, il fallait aussi 2 pièges poux. Des pétales de pièges poux. C'est moche ces trucs là, ça ressemble à rien.
Mais oui, mais d'accord, mais... Ils sont si loin que ça, les Kikirn? On s'est occupé de tout ce qui est partie rituel et triangle, là, mais quand même. Bon, c'était très long, par contre. Peut-être qu'il va peut-être falloir que je pense à arrêter, en fait, les quêtes annexes dans le let's play. Je vais me concentrer peut-être sur la trame principale, parce que, vraiment, c'est pas des trucs super intéressants. Pourquoi je peux pas viser la caisse? Ah, je suis le blic là. Et allez, c'est parti. Ouais, peut-être que j'ai trouvé la solution dans l'inventaire alors. Ah. Ah. Bah voilà. Eh, il faut le savoir, elle s'expliquait nulle part. Hein. Bon. Alors, la manip à la con. Inventaire. Peau de feu. Viser. Viser. Pourquoi je peux pas le viser? Là. Tirer. Ça marche pas. Oh, mais lâchez-moi un peu. Si j'en ai pas 5 sur moi comme tout à l'heure, tout ira bien. Allez, il y a que 3 caisses à faire sauter. Alors, tu commences pas. Inventaire. Peau de feu. Visé. Allez. Voilà. Et le dernier. Je peux pas le louper là. Allez, on se casse, on se casse. On retourne au choix de Buscaron. Et on va arrêter l'épisode. Parce que là, on enchaîne les quêtes annexes sans grand intérêt. Et en plus, je commence à manquer de... Je sais plus quoi dire en fait. Pour combler les vides. Puis il est passé où le soleil? Maintenant il y a de l'orage dans les bois. Les cages de poissons ont disparu, tu dis? Brave fille, ta prochaine pente est pour moi. Si ça tenait qu'à moi, je les prendrais par la queue, les Kikirn, mais le vieux n'est pas d'accord. Il dit qu'empêcher les batailles inutiles est le meilleur moyen de protéger la forêt. La vérité, c'est que je commence à penser pareil. Allez, ça c'est fait. Yana, moi aussi. Vous avez déposé des offrandes comme je vous l'avais demandé? Je vous remercie. Le triant que vous avez honoré n'a pas toujours été flétri. Incapable de supporter les changements qu'ils ont défiguré la forêt suite au fléau, il a perdu l'envie de vivre, se laissant dépérir jusqu'au triste état dont vous avez été témoin. Les aventuriers voient souvent les triants comme des monstres en forme d'arbres, rien de plus. Ouais. Mais nombre d'entre nous vénèrent ces créatures comme les gardiens des bois. C'est la nature qui veut que nous fassions honneur à ceux qui sont occupés de nous, à ceux qui se sont occupés de nous. Si nous délaissons nos protecteurs, ils nous abandonneront par... J'ai appuyé sur le bouton comme un abruti. Bon, c'est pas grave. Vous avez peut-être pu lire. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. À la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne. C'était Kirito et Ishkiti. À très bientôt.